Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on se retrouve sur Clash of Destiny. Donc je suis vraiment par contre désolé, je dois tourner le son après la vidéo puisqu'en fait il y a eu un petit souci sur le son global de la vidéo, mais c'est pas grave, je vais essayer de faire au mieux, de faire, je suis toujours autant hypé par le jeu, donc je pense que ça va le faire quand même. Donc on a au tout début la possibilité de choisir la voie du bien, la voie du mal, ça ne changera strictement rien par la suite, donc peu importe. Mais ça nous permet de voir déjà le début du jeu, donc à quoi ressemble en fait l'entièreté côté capacité, PV, etc. Et puis en même temps aussi de voir un peu la tête des persos et tout. Donc ici on peut voir voilà, l'ensemble des privilèges, enfin des perks, hein, comme on pouvait avoir sur Unreal Royal, et qu'on débloquera au fur et à mesure des niveaux du personnage. Alors on a la petite explication en même temps, donc qui nous permet de tout comprendre par rapport à l'XP, au déplacement, etc. Donc c'est du tour par tour. Donc en même temps on a le système d'XP qui nous est montré et expliqué, une petite compétence qu'on débloque déjà du coup vu qu'on a passé le deuxième niveau. Alors la suite de la game maintenant, donc on continue sur le petit tuto. Qui nous envoie sur un autre monstre cette fois-ci. Donc on comprend que de toute façon voilà, on a une super attaque, une attaque classique. Bon là c'est un vampire donc il n'y a pas de voilà d'extraordinaire. On sait que ça va nous soigner si on le tue. Enfin si on lui inflige des dégâts. Et là en fait on a le système des chemins qu'on va retrouver un peu plus loin aussi dans le jeu finalement. Et que je trouve d'ailleurs fort sympathique. Donc au fur et à mesure, voilà, on va passer les niveaux jusqu'à attendre. Le but, c'est d'aller jusqu'au boss, évidemment, pour débloquer la nouvelle difficulté. On a la petite boutique qui nous permet d'acheter donc en même temps, mais juste pendant cette aventure-là en question. Notre premier ennemi qui tire cette fois-ci du coup à distance. Donc comme vous avez pu le voir, c'est juste que du coup j'ai plus d'initiative que lui. Donc c'est pour ça que je commence le combat en premier. Et que ça me donne du coup quand même un bel avantage pour la suite. Donc là on a le choix, on a entre un hôtel et le soin, maintenant donc un peu d'or. Donc en fait l'hôtel il nous donne des boosts hein, un peu divers. Après le soin c'est quand même bien de calculer aussi si on en a besoin ou non pour éviter de mourir. Parce que le but c'est d'essayer d'aller le plus loin dans l'aventure pour gagner le plus d'XP finalement. Donc fin de partie, donc on n'est pas allé très très loin. Donc on a l'explication du pass qui ressemble évidemment pas mal à Brawl Stars, donc qui est en horizontal, donc ça pas de dinguerie. On va sur le système d'équipement. Donc après ça, il savait déjà faire du jeu d'avant, donc il n'y a pas de raison. L'abonnement est toujours aussi cher, voilà 10 € par mois évidemment, c'est trop. Enfin, c'est comme sur Unreal Royal, ils n'ont pas sorti un petit pass qui nous permet finalement de juste payer un anti-pub et d'être tranquille. Là, on est obligé de payer Hydralas tous les mois 10 €. Donc, ok, c'est des bons bonus hein, qu'ils donnent, mais il faut aller un peu plus loin par rapport à l'or et l'âme.
Mais l'acheter directement dès qu'on découvre le jeu, c'est vrai que c'est pas utile. De toute façon, j'ai débarqué au mauvais moment. Donc bon. Donc alors ce petit système d'équipement, c'est assez. On y découvre quelque chose d'identique hein, à une Troyale. Après, il y a un système qui est forcément différent puisque là, c'est un jeu tour par tour. Toujours fouiller les options de tous les jeux. C'est important de savoir qu'est-ce qu'il y a de possible. Donc là, on voit qu'on avait l'animation rapide qui est possible d'allumer en on-off pour gagner un peu de temps. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc en même temps, toujours le petit Discord, toujours la petite page Facebook. Donc les deux Discord en plus sont reliés entre guillemets entre Unt Royale et évidemment Clash of Destiny. Donc en tout cas, quand on voit les récompenses là directement, c'est vrai que le pass, bah, il donne pas vraiment envie, hein, clairement. Les récompenses sont pas folles. Donc là, on équipe notre petite jambière. On va pouvoir continuer. Il n'y a pas beaucoup de monde pour le moment. Donc après, le jeu est sorti il n'y a pas longtemps. Faut quand même 1000 de puissance pour le dernier monde. C'est pas mal du tout. Donc, les petites offres, comme d'habitude, qui proposent des buts de jeu. Ça vaut rarement le coup si on est prêt à jouer pas mal. Sauf pour booster un peu le temps hein, de jeu. Évidemment, pour vous éviter de rusher 3-4 heures, on sait jamais. Et il y a 6 modes au total. Je reviendrai sur les modes qui sont plus loin à débloquer un peu plus tard. Et sinon, là notre but, ça va être d'essayer d'aller le plus loin possible et de découvrir chaque mode. Donc là, on voit du coup l'idée du bien, mal, à droite, gauche. Donc ça changeait rien vraiment le choix du début. C'était uniquement pour les premiers combats. Mais on peut refaire après, hein. Il n'y a pas de souci. Donc là aussi, notre but, ça va être d'essayer d'apprendre environ chacune des capacités pour savoir comment réagir et essayer d'optimiser notre façon de jouer le plus vite possible. En tout cas, pour le moment, les effets, ça va, sont bien faits, mais les skins sont pas terribles. Hein. Je pense qu'ils se sont fâchés un peu avec le graphiste de Unt Royale et du coup, ils n'ont pas vraiment copié correctement. C'est dommage parce qu'il y avait des choses vraiment magnifiques qui, pour moi, ils auraient dû apporter. Donc là, le piège, voilà, c'est. Faut bien regarder quand même où ça nous mène, chaque chose, parce que ça peut être rentable finalement de prendre un piège si derrière on a un soin. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc je vous laisse un peu hein, sur la continuité de la vidéo, c'est vraiment dommage que mon son est crash entre guillemets. On a quand même une petite découverte du jeu, je vais aller assez loin entre guillemets, j'essaie toujours de poncer un peu nos options, comme d'habitude. En plus le pire c'est que j'ai tourné une deuxième vidéo et puis il m'est arrivé la même catastrophe côté son. Donc tant pis, hein, ça m'apprendra, je ferai un peu plus attention sur la prochaine vidéo.
Bon, on a loupé notre combat de pas beaucoup, hein, en vrai. Donc on voit notre petit calendrier des récompenses. Je me demande ce qu'il donnera après qu'on ait eu les 30 jours. C'est vrai que souvent il sert un peu à rien. Si on joue un peu en tout cas. Donc là, on voit le système de craft en même temps qui est assez basique hein, finalement. On peut aussi évidemment craft trois équipements identiques pour crafter un truc identique, ça c'est plutôt cool. Ok, on va donc réessayer d'aller le plus loin possible. De toute façon, on n'a pas le choix d'un peu rusher le truc. Au début, c'est souvent comme ça, hein. Tu rushes la même chose et puis après, au fur et à mesure, tu débloques. On a pris pas mal avec le piège là, il nous a quand même infligé quasiment la moitié de nos dégâts, nos PV. Donc on voit qu'à chaque tour, si on ouvre et qu'on ferme, ça change littéralement le petit shop.
Ok, donc on a un nouvel héros. Donc il nous montre comment ça se passe. Donc c'est vraiment par rapport lié aux autres niveaux d'héros. Hein. Vous voyez en haut à droite, là je suis level 4. Et en fait, plus vous montez ce chiffre-là en fonction de comment vous montez vos personnages, plus vous débloquez de personnages dans la catégorie en fait comprise. Donc on jette un œil vite fait à sa capacité pour pouvoir le jouer correctement tout de même. Et pouvoir comprendre comment il fonctionne finalement. En tout cas, le jeu pour le moment va plutôt pas mal. Évidemment, il y a énormément de contenu où il faut pas mal jouer avant de tout découvrir, mais c'est totalement classique. Donc ici les petits 2v2. Donc ça en même temps c'est souvent pratique pour savoir si le jeu il tourne bien. S'il y a déjà un problème avec la synchronisation des joueurs comme on avait pu avoir sur Unreal Royal, bah galère quoi. Mais là du coup c'est là qu'on voit qu'il y a un minimum de stratégie en fonction des personnages, du placement, etc. Donc c'est ça aussi le but, hein, c'est d'avoir un jeu où il faut un minimum réfléchir. Après ça va venir au fur et à mesure, hein. Souvent plus on avance dans un jeu, plus il faut réfléchir, c'est normal. Okay, je m'excuse vraiment pour être obligé voilà, d'utiliser, enfin de tourner le son après. J'étais très content d'avoir fait la vidéo. J'étais vraiment belle découverte, vu que c'est un nouveau jeu finalement que je vais rusher. Et un peu peut-être remplacer Hunt Royal. Mais bon bah du coup tant pis. Hein. Ça arrive d'avoir des galères sur des vidéos. Ben, on fait avec. J'essaie de remplacer le son comme je peux. Et puis la prochaine fois, ben, je ferai attention quoi. Après, vous aurez plein d'autres vidéos sur ce jeu, c'est pas ce qui va manquer. Que ce soit pour toutes les découvertes ou des pensées, des conseils divers. Faut juste que j'ai le temps d'un peu m'améliorer, que je découvre le reste du jeu, que je puisse éviter de vous raconter des bêtises, hein, parce que comme d'habitude, j'essaie toujours de jouer pas mal d'heures, de me renseigner, etc. pour pouvoir vous sortir le contenu le plus propre possible. Donc là, on a gagné notre petit combat. Donc on voit qu'il y a un système d'amélioration qui est en plus permanent et ça c'est vraiment cool. Et ce qui nous intéressera c'est l'amélioration des 5000. Donc ça il va falloir économiser de fou pour essayer de l'avoir au plus vite possible puisque finalement on voit que ça améliore notre loot de coffres et ça c'est vraiment très important. Parce que finalement on va tirer des coffres tous les jours quoi. Donc ça va être vraiment génial. Donc voilà en tout cas pour cette petite vidéo, j'espère que vous allez kiffer malgré que c'était pas l'audio original. On se retrouve pour une prochaine.